Ah, ben auto, ça passe à deuxième, là, qui prend, mais là, il pêche avec la 2 livres. Ben, comme on dit, il joue avec le feu. 2 livres test, ton monofilament, auto? Tu vous penses? Wow, big? No. No? No, this is okay. This hook is small too, size 14. Ah, t'as un hameçon numéro 14? Avec un monofilament de 2 livres? Oui. Oh! Auto est en train d'essayer de la récupérer, l'emmener près du bord. Mais elle abandonne pas le combat encore, la carpe. La Auto, c'est sa deuxième, une qui a cassé son fil tantôt. Ça, c'est sa deuxième. Poisson très puissant. Un poisson boudé par les pêcheurs, mais quelqu'un qui la pêche avec des lignes vraiment souples va avoir du plaisir. As-tu qu'il y a autour? Ah, back up, Otto. Fait que Bruno... Bruno se prépare à la... Back up, back up, back up. Il va rentrer dans la pluie. Back up. Voilà. Beautiful. Très grosse carpe. Bon, ben Bruno vient de capturer une carpe à la flotte. Rien savoir. Rien savoir. Je crois qu'elle s'est pas roulée à l'entour du... Non, ok. Elle est à côté, c'est correct. C'est tes coups de tête qu'elle donne sa canne, ça n'a pas de bon sens. J'ai besoin de descendre. Quand elle part, là, la canne, hein, regarde. La canne descend jusqu'en bas. Faut être patient, hein, Charles? T'as de l'air à ça. Mais on est récompensé. Ah oui. Combien plus cher? Combien cher? Comment j'ai de poisson, moi? Comment j'ai de poisson, Otto? Zéro! Otto m'a dit que j'avais le droit à une carpe. Je sais rien, moi. Regarde, Otto. Moi, j'ai le droit à une, mais une 35-40 livres. What are you dreaming, monsieur? Nice, man. Bruno, elle lui donne du fil à retordre, sa carte. Je
pense qu'elle pèse pas 5 livres. Landing net is my hand. Là, mon bout, la flotte. On voit le flotteur, là, Bruno, après la surface. Oh, elle a l'air d'être assez belle, t'as capte toi avec. J'ai vu un ombre à ouvre, là. Bruno, reste ici aussi. Donc Bruno, avec sa première carte de la journée au flotteur. Un peu bledin flottant. Ok. Puis du vrai bledin aussi, là. Bruno ne peut pas remettre sa carte à l'eau. Tu vas tenir par la queue, mais à part tout de suite. Ouais. Charlie Jalous. Oh, no. Very sharp. Don't hang up yourself, please. Bruno, calm down. Goto est rendu à 3 carpes. 2 carpes. 3 carpes, il a pris un bébé carpe et deux belles. Là. La troisième qui s'en vient là. Goto est en train de nous donner une petite leçon de pêche à la carpe, mais ça c'est son côté chanceux. Professeur. Il est plutôt baveux. Ouais, c'est ça. On pourrait dire qu'il est plus harcelant. De toute façon, on va lui laisser moi et Bruno, on lui laisse les cartes novices à auto. On va s'occuper des adultes. Merci beaucoup, mon ami. Okay. Salut, auto, tu vas faire une remise à l'eau? Oh, oui. OK, je suis là, auto. Hop. Bon, monsieur. Oui. Bien sûr. Denis Barbotte. Bon, ben, la journée achève. Careful what you talk to me, Dad, because it's my net, c'est celui. Charles a fini par pogner une jeune carte. Une petite carpette. Une jeune carte. Ah, t'as besoin de ton filet, Otto. Bon. C'est bon pour les masters, effectivement. Merci. Ah. Il n'y a pas besoin de prendre, hein? C'est bon. Hop. Okay. On va lui enlever ça. C'est belle, hein? Il doit être profond de la mousson en plus. Auto, can I have your pliers? Yes. On va y enlever ça de la bouche, puis on va revenir avec un petit shot. On va boire de l'eau.
là. On va remettre un peu, ça va venir une 4 là, si on veut qu'elle vienne plus grosse. Fait que c'est une petite. Elle est belle, hein? On va l'amener plus grosse, on va la remettre à l'eau. Oui, monsieur. Au moins une petite.